Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on est à Toulouse pour un nid de frelons asiatiques. Il fait 18 degrés et c'est top. Allez, on va aller voir ça. C'est dans une cabane. Apparemment, c'est dans un carton. Je vais vous montrer ça. Au fond du jardin. Petit nid de frelons asiatiques. Il n'a pas l'air gros, mais voilà. J'ai vu le carton. On va regarder ça de plus près. Allez, c'est parti. De la cabane, la petite tenue est prête juste à côté et je vous montre ça. Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, merci. Et là je vous montre où il est le nid. Alors vous n'allez pas le voir, mais il est à peu près juste là. Alors, je vous montre ça, je vais essayer de me rapprocher un max pour pas faire de vibration. Il y en a un qui rentre dans ce carton et après ils arrivent par la fenêtre où il n'y a pas de vitre. Allez, je m'habille et je vous montre ça. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, c'est parti. Allez, je vais voir ça. Je vais essayer de vous montrer ça. Pas pratique à filmer. Allez. On est dans le sombre. Alors on va mettre de la poudre dedans directement. Et après on va essayer d'ouvrir le nid. Pas pratique les nids, c'est pas pratique. Mais vraiment hyper dangereux quand même. Le nid est touché, donc c'est parfait. Attends un petit peu. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on va replacer le carton au même endroit et le client va pouvoir l'enlever d'ici deux semaines en toute tranquillité.
mettre un rosé Nalongi, en toute tranquillité, tout ce qui arrive de l'extérieur. Bon, revenir dans le carton. Ouais, il n'était pas gros en fait, comme le carton était aplati, ça fait une ou deux galettes. Et après, bon, ils étaient tous dedans, donc comme il pleut, ils sortent pas beaucoup. Donc l'effet d'avoir envoyé la poudre à l'intérieur du nid, ben, ils sont pratiquement tous morts sur le coup. Mais après, il y en a toujours quelques-uns qui sortent, donc c'est pour ça que c'est important de laisser le nid en place pendant 15 jours. Et après, je peux prendre le carton. Oui, parce qu'il n'y a rien dedans. Je l'ai ouvert, hein, pour voir un peu, je l'ai ouvert. Il n'y a rien d'autre que le carton vide. Ouais, il y a pas de... les barres, je pense qu'ils sont à côté en fait. Ouais. Et je vais ranger tout ça et j'arrive. Voilà, l'intervention est finie. Il fait quand même chaud, même s'il fait 18 degrés, la combinaison. C'est pas comme si c'était 40. Voilà. Ouh. Alors c'est chiant parce qu'on voit pas trop. J'espère que ça a donné des bonnes images. Allez, on va tout poser. Notre caméra, j'ai pas pu l'allumer. Bon, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, et moi je vous dis à très bientôt.